Allô? Ah, c'est encore vous, madame. Une manifestation du monstre encore, n'est-ce pas? C'est donc bien cela. Pourriez-vous me décrire, madame, les phénomènes étranges accompagnant l'apparition de cette créature? Oui. De l'obscurité, un froid hivernal, et des raclements sous votre lit. Et la créature a attrapé la main de votre père. Je vois. Il doit s'agir d'un croque-mitaine. Ces créatures sont extrêmement dangereuses, mais peuvent tout à fait être détruites. Aucune inquiétude à avoir, madame. Mes agents sont tout à fait aptes à exterminer ce genre d'agence. Ah, mais oui, je suis bien conscient du coût de nos services, madame. Mais le surnaturel nécessite des moyens extraordinaires. Si mes agents sont fiables, madame, je n'engage que les meilleurs. Tenez, l'équipe que je vais vous envoyer sera dirigée par l'agent Mona Mandek. C'est une agent récente, mais pleine de ressources. Oui, c'est elle qui dirigera l'équipe. C'est une leader hors pair. Bon. Il est vrai que Mona semble assez lâche et a un ego assez développé. Mais elle est tout à fait capable. Et mes agents sont les meilleurs. Les meilleurs. Je peux vous le garantir. Chef de l'équipe d'intervention que vous avez commandé. Donc, comme vous le savez, mes agences sont... Ils ont déjà commencé à enquêter, parce que vous savez, votre affaire sort vraiment de la normale. Oui, elle n'est pas normale, non, non. Donc voilà, c'est ici, dans ma chambre d'enfant, que cette chose... Bonjour. Ciao madame, je me présente. Bon temps. Inspecteur du surnaturel. Mais aussi, bien sûr. Un gentleman à votre service. Vous devriez surtout aider Eddie et Marc. Oui, de l'air. J'adore aider Eddie et Marc. Je fais tout le temps. Vous pourriez commencer à vous mettre au travail, non? J'adore mettre de l'ardeur dans mon travail. Je le fais souvent. Mais de toute façon, je ne vous rappelle pas que vous ne serez payé qu'une fois la créature éliminée. Le paiement. Oui, le paiement. Le paiement. On l'oubliait, lui. Ah bah oui. Ah bah oui, donc. Madame. Vous venez donc de rencontrer votre ans. Vous connaissez également Marc, déjà, il me semble. Dame. Et enfin, le dernier membre de notre équipe, Eddie, responsable du matériel scientifique. En faites pas trop attention à lui, il est un peu dérangé sur les bords. J'ai tout entendu. À chaque fois, c'est la même chose. Je suis différent, oui, et alors? De toute façon, c'est toujours pareil. Eh bien, désormais, madame, je vais vous demander de quitter votre domicile afin de ne pas perturber l'enquête en cours. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je dois passer à l'hôpital. Mon père, il a été frappé par cette chose, ce monstre. Sa main ici, mais complètement gelée, c'est terrifiant. Surtout, faites attention, hein. Depuis que je suis enfant, il me hante, ce monstre. Oui, bien sûr. Non, mais je suis sérieuse. Il est dangereux. Écoutez, madame, mes collègues et moi sommes les meilleurs. Aucun monstre ou spectre ne résiste. Donc votre croque-mouche, croque-main. Croque-mitaine. Ouais, je viens de le dire. Enfin, vous savez, votre chose là sera détruite dans la journée. Ne vous inquiétez pas. Si vous le dites. Bon, messieurs, le travail commence? Eddie, qu'est-ce que vos appareils nous indiquent sur cet endroit? Eh bien, d'après mes analyses thermodynamiques, mes analyses électromagnétiques, ainsi que d'après les flux quantiques, eh bien, je puis vous annoncer à tous ici que la température de cette pièce est de 7 degrés inférieure à la moyenne saisonnière. D'accord, donc en gros il fait froid.
Donc en gros, il fait froid. Mais savez-vous ce que cela signifie ? Non, je vois pas, mais j'imagine que malheureusement, vous allez nous expliquer pourquoi. Eh bien oui, je vais vous dire pourquoi. Nous sommes en présence d'un phénomène typique propice à l'apparition du Yeti de l'ère glaciaire. Un monstre issu du confin de l'imaginaire humain. Ok, merci Eddy. Et vous, Gontran ? Oui, alors oui. Alors oui. Moi, figurez-vous que c'est une dinguerie. J'ai fait l'analyse psychologique de la victime tout à l'heure pendant l'entretien que j'ai fait avec elle. C'est-à-dire que vous l'aviez maté ? Non. Non, s'il vous plaît, non. Non, je fais mon travail, madame, hein. Je peux vous affirmer que la victime était en état de choc et qu'elle ne plaisantait certainement pas quand elle parlait du danger de cette mission. Donc on écarte le fait qu'elle ait pu inventer toute l'histoire. Oui, on l'écarte. Bien. Et vous, Marc, votre fouille approfondie de la pièce, qu'est-ce que ça donne ? Ça craint. Bien. Et qu'est-ce que vous entendez par ça craint ? La pièce, elle est pas nette. Danger. Bien. Eh ben, je sens que la journée va être longue, hein. Et moi, je vous dis que rester ici est une idée complètement con. Et dois-je vous rappeler notre précédente mission ? Vous avez décidé d'attaquer la victime en pensant qu'elle était possédée. Elle avait une tringle à rideau. C'était très suspect. Et là n'est pas le sujet, d'ailleurs. Non, en effet, c'est pas le sujet. Dois-je vous rappeler que je suis responsable de cette mission et que vous, ici, êtes sous mes ordres, d'accord ? Donc nous resterons dans ces pieds jusqu'à ce que nous en ayons décidé, jusqu'à ce que la créature se manifeste. Et à ce propos, quand est-ce que la créature se manifeste et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et justement, on n'attend pas qu'elle se manifeste, on prend nos affaires et on se tire. Et c'est reparti. C'est un pangolin Akari. Nos chances de survie sont extrêmement faibles ici. Un pango quoi ? À cette question, personne n'aura la réponse puisque c'est l'heure de la pause. Chef, vous êtes avec moi ? Ok, on est deux. Eddy ? Il faut que j'aie encore que j'aille pisser. Ok, ce sera sans toi, Marc. Faut que j'aille pisser. Là, attendez, c'est pas bon ça. Mon pote, tu as une minute, deux secondes. On va prendre l'heure, on revient et puis après, d'accord. Putain, c'est fermé. Alors là, ne regardez pas comme ça, c'est pas moi. D'habitude, je ne fais ça uniquement quand il n'y a que des femmes. Vous pouvez pas arrêter de dire n'importe quoi ? Les plans ont dû sauter, hein. Ah oui ? Et pourquoi les deux lumières marchent encore, jeune génie ? Elle est coincée. Ah non, ça marche pas bien. Y'a quelque chose de pas net sous le lit. Ah, Eddy ! Eddy, merde ! Ah, putain ! Marc, tire-moi ! Marc ! Eddy, si vous pouviez arrêter de gueuler pendant 5 putains de minutes, ça m'arrangerait. Mais comment vous voulez que je me calme après ce qui vient de se passer, là ? J'ai déjà assez d'un légume, d'accord ? Alors si vous pouviez rester calme, ce serait très sympa. Ok. Marc, allez là, c'est pas le moindre de devenir à l'état de légume, hein ? Vous avez connu plus dur que ça, non ? Vous étiez soldat, merde ! Mais réveillez-vous, nom de Dieu ! C'est terminé, ce truc va tous nous bouffer, on va crever ici. Mais je m'en fous de savoir ça, Eddy. J'ai pas envie de crever ici, moi. Mais réagissez, merde. Même en restant calme, on peut pas lutter contre ce truc. Mais je n'ai rien de calme. Je suis aussi terrifiée que vous savez. Et je sais pourquoi.
parce que Gontran est mort à cause de moi, parce que je suis... Non. Nous sommes tous des putains d'incapables. Ouais, merci pour le remontage de morale. C'est pas censé nous remonter le moral. C'est pas ça qui va nous sortir de ce truc, compris? Le seul moyen de survivre, c'est d'arrêter de se comporter comme des bras cassés. Ah oui? Et c'est quoi votre solution miracle? Ça, monsieur, c'est à vous de me le dire. Si vous êtes dans cette équipe, c'est qu'il y a une raison, non? Si vous l'ouvrez toutes les 5 minutes pour nous exposer vos théories à la con, c'est que vous devez bien avoir quelque chose d'intelligent à nous dire, non? Toute votre putain de vie, vous vous êtes plaint qu'on vous écoutait jamais. Maintenant que vous avez quelque chose à dire, allez-y! Parlez! Mais... Ellie, quoi que tu dises, je suis avec toi. Ok, ok. J'ai un plan. Mais c'est sûrement le truc le plus con que je puisse vous proposer. Marc, vous savez, si vous êtes pas d'accord, vous pouvez toujours dire non. On confie quand même nos vies au Eddie. Bon, procédons par ordre. Qu'est-ce qui s'est passé quand la créature est apparue? Bien, la lumière a pété. La porte, les volets ont été bloqués. Et pourquoi le monstre n'a agi qu'à ce moment-là? Enfin, je veux dire, il aurait pu attaquer à n'importe quel moment, non? C'était en plein milieu de la nuit, quand toutes les lumières étaient éteintes. Donc il n'aime pas la lumière? Exactement. Ouais, et alors? Bah, on peut déjà se servir de ça pour au moins l'affaiblir. Et après, bah... on improvise. Attends. Ton truc, là, enfin, ta machine, là, elle arrêtait pas de sonner, il y a un peu un truc comme ça? Ouais, c'était chiant. Oui, ça indiquait des changements au niveau de la température et des fluctuations magnétiques de la pièce. Et donc ça peut servir à nous indiquer quand il est là ou non? Oui, ça fonctionnera en tout cas. Et les lumières des flux, machin chose, là, tu peux en faire quelque chose? Ben, je pourrais toujours essayer de jouer sur les fréquences et moduler les flux magnétiques, histoire de voir si ça peut affecter cette... chose. Ouais, mais encore faudrait-il qu'il se pointe, le Lascar. Comment ça? Bah, faudrait l'attirer, quoi. Histoire de tirer avantage du terrain et du moment. Oui, mais avec quoi? Ouais, bordel, détachez-moi là, je vais crever ici. Putain. Ça fait pas partie de mon plan, ça. Papa. Stratégie militaire. Puis bon, ça me fait plaisir aussi de t'avoir comme ça. C'est bon, tu t'es prêt? Normalement, oui. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Bien, essayons de résumer un peu la situation. Un membre de l'agence a donc été perdu au cours de l'opération, et ce dans l'exercice de ses fonctions. J'en suis fort désolé, cependant. La créature ayant été terrassée, les termes du contrat passé avec notre cliente ont été respectés. Ce qui transforme cette tragédie en une véritable réussite financière. Quoi? Aimer Gontran dans tout ça? C'est pas la thune qui va nous ramener, mais... Du calme. Je comprends votre colère. Mais pensez-y, grâce au sacrifice héroïque de Gontran et à votre action, de nombreuses vies ont pu être sauvées. Vous avez anéanti toute trace du mal dans cette maison. Toute trace. Thank you.
Vous ne pensez quand même pas que j'allais partir sans un au revoir ?